Je suis avec Gladys Jalaguer qui va nous raconter un petit peu son expérience de l'organisation de sa baby shower et comment elle a vécu cette soirée. Gladys, comment tu vas? Ça va? Ça va et toi, Maquel? Ça va. Je suis contente de t'avoir ici pour pouvoir partager avec nos amis. C'est important pour préparer justement l'arrivée de son bébé. C'est aussi, je trouvais un moyen de le faire exister puisque forcément, du coup, je passais beaucoup à la petite fille. Je le faisais aussi surtout pour elle. Les préparatifs, je les ai bien vécu. On était toutes les deux, on a fait beaucoup de démarches, c'était ensemble, c'était quelque chose de plaisant à faire parce qu'on créait l'événement, c'était de réfléchir à tous les petits détails, par le lieu de la soirée, le matériel utilisé. Oui, mais c'est vrai, non, c'était vraiment quelque chose de très plaisant. Puis en plus, ça permet aussi de combler l'attente justement de l'arrivée de son enfant. Parce qu'on languit aussi que cela est une grossesse à la fois longue, à la fois rapide. Et du coup, je trouve que ça permet vraiment de faire exister son bébé et du coup de l'investir déjà très tôt à ce moment-là. Et du coup, par contre, j'ai trouvé que les préparatifs. Alors moi, j'étais disponible parce que du coup, je ne travaillais pas durant ma grossesse. Juste chance et je n'avais pas d'autres enfants, donc du coup je pouvais être disponible pour organiser tout ça, pour parler de tout ça. Par contre, si je devais en faire une deuxième, je vous recommande de faire appel au service à 100% de Raquel, voilà, parce que du coup, pour avoir travaillé aussi avec toi, je te fais confiance du coup à 100%, mais en matière de goût, en matière de choix, en matière d'animation. Et parce que du coup, je t'ai découvert aussi pour la première fois pendant ce moment-là. Et vraiment, voilà, c'est quand même, faut dire, un travail assez important. Il faut vous le savoir, ça demande quand même du temps, ça demande un investissement. Donc moi, je vous recommande, voilà, si je devais avoir un conseil à donner ou si moi, je devais avoir à en faire une deuxième, je te laisserai tout gérer de A jusqu'à Z. Voilà. Comment s'est passé pour les jours J alors? Ah, le jour J, c'était une soirée pleine de bons souvenirs. Alors c'est vrai, un petit peu d'appréhension de savoir si, parce que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce qui allait se passer, les animations, et si tout le monde allait être satisfait finalement de la soirée. Et c'était juste extraordinaire. Ouais, tout à fait. C'était, après on se sent aussi un peu, j'allais dire, le centre de la soirée. Alors, pas forcément que je suis narcissique, mais c'est quand même toujours plaisir, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis c'était plein de fou rire, des animations qui étaient très drôles. Oui. Il y avait ce plaisir, en fait, de découvrir aussi les choses au fur et à mesure. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et oui. Personne ne savait, en fait. Et du coup, on a tous eu le plaisir. Oui, d'avoir toutes les surprises que j'avais préparées. Justement, parce que l'idée principale, c'était aussi de te surprendre. Donc, c'est ça. C'est vrai que toute la partie animation, on n'a pas... Gladys n'était pas au courant. Et puis, qu'est-ce qu'on a... Ça, il faut le dire. On a sacrément rigolé. Même moi, tous mes amis m'ont dit que j'avais passé un super moment. On avait fait le choix de faire deviner son prénom à travers les jeux. Ah, je trouvais ça aussi vraiment sympa de le faire de cette manière-là. Et tout le monde y a pris beaucoup de plaisir. C'est vrai. Et du coup, c'était aussi un moyen original, quoi. C'est vrai qu'on s'était mis d'accord qu'on ferait deviner. Je donnerai le prénom de ma fille en fait ce soir-là. Voilà. C'était la surprise du coup des convives. C'était le retour que je voulais leur faire et partager ce moment important pour moi autour du jeu. Et du coup, c'était vraiment un super moment. C'était génial. Ouais, hein? J'étais très émue aussi, effectivement. Alors je leur dirais que c'est vrai que c'est pas trop dans nos traditions de faire la baby shower, même si ça revient petit à petit. Moi, j'ai vraiment pas regretté d'avoir fait la mienne. C'était, je trouvais ça super, même pour ma petite Lucie, justement, de pouvoir l'investir autour de tout ça, de la porter avec cette joie-là, cette impatience, d'avoir cette soirée aussi. Du coup, c'est vrai que moi, je te connaissais pas tant qu'organisatrice, tant qu'animatrice. Je t'ai découverte et franchement, j'étais très surprise de ton talent. La soirée, il n'y avait pas de pause. Ça a été... C'était super. C'était génial. C'était génial. Moi aussi, je me suis régalée. En tout cas, j'adore faire ça. Et ça se voit, qu'elle est, que tu es douée pour ça, vraiment. Merci Gladys. Merci pour ton témoignage. Et dire aussi que c'est vrai que les jeux, la devinette des prénoms, c'est un sujet que je parle aussi sur mon dernier article que j'ai fait des 4 jours géniaux pour la baby shower. Et ça, vous pouvez le trouver sur mon blog. Je laisserai les liens aussi sur cette vidéo. Gladys, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Je vous fais un bisou et à très vite.